Hey yo petit pote, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le rush des 10 millions de Kama avec le métier cordonnier et cordommage. On retape des items de cordonnier, donc bottes, ceintures, on les retape, on les FM, on les revend, on se fait un petit bénéfice les petits potes. Et du coup je vais vous laisser avec Bouf Bouf les petits potes qui s'occupent de tout ça. Et aussi de la petite discussion sympathique. Et si cette vidéo vous plaît les petits potes, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker parce que ça me fait super plaisir vu que je suis un petit youtubeur. De s'abonner, de liker, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse avec Pouf Pouf. Allez, à toutes les petits potes. Yo les petits potes, c'est Pouf Pouf, un petit coca des familles. Ah, ça fait du bien, ça passe, quel délice. On commence les petits potes direct. Parce que vous savez très bien les petits potes que chez nous, ça rigole pas les potes, ça rigole pas. On commence direct avec la petite ceinture du Punisher, la bonne ceinture des familles qu'on avait vu au premier épisode qui nous avait apporté je crois 600 000 Kama. C'était plutôt un bon bénef. Je vais pas vous le cacher, j'en ai refait. On s'est fait bien plaisir et comme vous avez pu le voir les petits potes, cette petite ceinture régale des familles. On s'est fait un petit 248 vita, 50 force, 23 sage ça, 15 puissance, 10 dommages, nœud, 10 dommages terre, 8 fuites, 5 soins, 1 de portée, 1 invocation, 1 retrait PA. Retrait PA pas top hein. Donc ceinture du Punisher qu'on va remettre en vente les tipotes à 700 000 Kama les tipotes. Je vous mets tout de suite la preuve de vente que vous aurez. Tout de suite, je vais vous la montrer tout de suite. Elle est où celle-là, merde. Elle est où celle-là. Donc on a dépensé pour ces bottes 347 000 Kama. On fait une revente à 700 000 Kama. On se fait un petit bénéfice de 353 000 Kama les petits potes. C'est plutôt génial. Pour la suite les petits potes. Pour la suite, on s'est fait les petites sandales humeuses. Hein, sandales humeuses que j'avais pas trop de... J'avais pas trop d'ambition sur cela. Hein. Je les ai FM. Au final, c'était un petit peu plus dur que prévu. Du coup, j'ai un petit peu donné de ma personne. Hein. D'ailleurs, je vais pas vous le cacher, c'est pas les sandales qui vont nous rendre millionnaires, je vous l'avoue. Mais finalement, le PO est parti, ou l'invocation. Le PO, l'invocation est parti, et du coup, j'ai pu faire un petit item très sympathique. Vraiment pas dégueulasse, les petits potes. Hein. J'ai fait un petit item pas loin de la perfection. On s'est fait un petit 157 vita, 40 chances, 28 sasa, 6 prospection, 5 résistance, terre, feu, eau, air, et le petit PM, bien évidemment. Sinon, ça se vendra jamais, les petits potes. Et pour ces sandales, on les a alors vendues à 156 000 Kama, les petits potes. Hein. On a dépensé pour ces petites sandales 70 000 Kama. Ce qui vous fait un petit ridicule bénéfice de 86 000 Kama. Je vous l'avais dit, c'est pas les sandales qui vont nous rendre riches, mais ils sont bénéfiques. J'ai dû mettre 10 000 Kama, je pense, en runes sur cela, voire un petit peu plus. Donc, mais je crois que je l'ai ajouté aux 70 000 Kama, je crois. Mais je suis plus trop sûr, mais je crois que sinon on est autour des 60 000 Kama. Sinon, c'est vraiment pas les sandales que je vous conseille de crafter et de FM. C'est vraiment pas ça le top. Et comme vous allez voir, ils se sont toujours pas vendus d'ailleurs à l'heure actuelle. Hein, ça fait 3 jours, hein, il y a 2 jours que j'ai fait tout ça pour la vidéo. Donc pour les troisièmes bottes, les petits potes, la troisième botte, c'est la botte. C'est pas les bouffe bottes, c'est les bouffe moutes, les bottes du Royal Moot, les petits potes. Hein. Ah, je sais, c'est pas très foufou de dire ça, mais ces bottes-là, les petits potes, je les ai FM comme un roi. Malheureusement pour vous, j'ai pas la preuve de FM. Hein. Bah, je les ai FM, hein, vous allez pas. Depuis le début, j'ai FM tout. Là, j'ai oublié de rec. Je sais plus si j'ai. Attendez, est-ce que j'ai rec? Non, je crois que j'ai pas rec, donc vous aurez juste l'item. Malheureusement, je suis vraiment désolé les potes hein, pour ça. Je vais essayer d'avoir à chaque fois les recs, mais j'étais en train de les faire. D'ailleurs, les bottes étaient censées être pour moi de base. Et finalement, je dis, vas-y, je les vends pour la vidéo. Parce que finalement, ça se vend plutôt bien ces petites merdes. Hein. C'est parti super vite. Donc pour ces bottes Royal Moot, les petits potes, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un G de vitalité, 198 vitalité, 40 intelligence, 40 chance, 24 sasa, 9 dommages poussés, j'aurais pu aller jusqu'à 10, mais ça m'aurait peut-être cassé l'habitat. 8 dommages feu, 8 dommages eau, 7 rési air, 5 soins, 5 rési neutre, 4 fuites, 1 PM et la prospection. La fuite, je voulais en avoir quand même pas mal, parce que je sais que c'est quand même assez recherché dans le PVP et même dans le PVM, c'est plutôt sympathique. Et le PM, bien évidemment. La prospection, j'ai mis 1, mais c'était vraiment juste pour avoir la prospection, hein, pour pas avoir une ligne vide, parce que sinon ça fait un petit peu tâche, hein, je peux vous le cacher. Alors cet item là, les petits potes, il m'a coûté, les petits potes,
230 000 kamas au craft et à la revente. Vous allez halluciner les petits potes, hein. 550 000 kamas, vous avez bien vu avant moi. 550 000 kamas, on se fait un gros bénéf plutôt sur ces bottes-là, hein, de 320 000 kamas, soit 70% du lithium, hein. Donc c'est plutôt pas mal du tout les petits potes. Pour le quatrième item les petits potes, on est sur les sandales céphales. J'ai confondu deux trucs, hein. Wabit céphale et c'est les bottes du Wabit céphale. J'ai confondu les autres sandalettes là qui nous ont rapporté rien du tout, les trucs humus bien pourris là. Non, on est sur les bottes Wabit céphale et autant vous dire que là on a dépensé 185 900 kamas. C'est des très belles bottes, hein, d'ailleurs c'est des très bonnes bottes aussi. Je tiens à le dire. Et cela, je vais pas vous cacher, c'était plutôt rentable les petits potes, hein. J'ai fait un très bel FM, hein. Un très bel FM qui s'est fini sur un 155 Vita. J'ai encore, là, j'ai pas la preuve de l'FM, mais j'ai la fin de l'FM. 155 Vita, 40 chances, 30 AJ, 22 Sasa sur 30. C'est plutôt, bah, pas mauvais, hein. Je dirais pas dégueulasse. Mais c'est plutôt bien, c'est plutôt bien, surtout quand on voit la fin, le 1PM, le porté, bien évidemment. Les 10 Resi-O qui sont, incontournables, hein. Si vous voulez vendre les Wabit Cephas, c'est incontournable. 4 Resi quoi ça c'est? C'est Resi quoi, c'est de la petite merde. 4 Resi R et 4 Red PM. J'aurais pu aller à 5, j'aurais pu même aller à sur 6 Resi R. J'aurais peut-être dû même parce que je crois que je les ai toujours pas vendus au bout de 3 jours. Mais ça se vendra parce que bah c'est de très très bonnes bottes. Donc ils vont se vendre dans tous les cas, il faut être un petit peu patient. Et les 10 Resi O, je pense que c'est plutôt cool, hein, 10% de Resi O, il n'y a pas beaucoup d'items qui peuvent t'en donner autant les tipotes. Et cet item là les tipotes, on l'a revendu. Je vais vous dire un petit peu la recette. Donc comme je l'ai dit, on a dépensé pour cet item 185 900 kamas. On les a revendus à 510 000 kamas les tipotes. Enfin on les a pas encore revendus, mais c'est ce qu'elles valent, hein. 510 000 kamas, on s'est fait une recette à 324 000 kamas, soit 70% de l'item. Donc c'est plutôt un très bon bénéf, hein. Donc sur cette fin, les petits potes, bonjour à tous, hein, bonjour à tous les petits potes. Du coup les petits potes, parlons un petit peu Kama, on est sur 3841 000 Kama, 595, les petites broutilles, le petit blé de fin. On est actuellement, j'ai la calculatrice sous les yeux, je vais vous mettre le screen dans tous les cas, les petits potes, juste ici, voilà, vous aurez le screen. On est sur... J'ai un petit peu tout rajouté, hein, tous les items que j'ai. Et du coup, on est sur 5 774 000 kamas, 261, les petites broutilles. Et du coup, on est près des 6 millions. J'espère que pour le prochain épisode, on atteindra les 6 millions. Je pense facilement, hein. On a déjà presque... pas doublé, mais en tout cas, on a déjà gagné presque 1,5 million. 1,5 million, pas loin en tout cas. C'est plutôt cool les pilotes, 1,5 million. On rush le 10 millions, enfin on le rush... On y va progressivement, toutes les semaines, je vais essayer de faire une petite vidéo toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Vous verrez quand vous aurez une petite vidéo de Rush Kama. En tout cas, les petits potes, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les petits potes. Ça ferait super plaisir à mon pote Bizarride. Parce que oui, moi je suis bouffe, les petits potes, je suis pas Bizarride, hein. Enfin, t'enlèves ça, je deviens Bizarride. Mais tu laisses ça, mon gars, c'est bouffe, hein. Je te le dis. Et du coup, je suis bouffe. Et vous, vous demande un petit abonnement, un petit like. Et ça fait super plaisir, les petits potes. Sur ce, moi je vous laisse. Allez, ciao ciao. À la prochaine. Pour les 6 millions. Mana, Mr.